Là, bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, nous sommes plus beaux sympathiques comme d'habitude. N'est-ce pas magnifique? Non, aujourd'hui, je change d'intro parce que j'arrive pas à la faire. Ça fait 10 fois que je tourne parce que j'arrive pas à la faire. Aujourd'hui, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Bref, donc là, c'est la partie 2 de mes achats. Parce que vu qu'on est dimanche et vu que c'est ouvert le magasin, du coup, je n'ai pas invité pour y aller. Ah oui, et c'est encore les différés, c'est pour ça, voilà. Donc, on va commencer par le truc les moins précieux. Et après, on terminera par le gros truc. Enfin, vous l'avez vu, trop tard, bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer par un CD de musique russe. Voilà. Voilà. C'est un CD d'opéra. Bah, ça fait pas pour moi, mais bon, je devais le faire donc, dans la vidéo. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Une musique de boisson. Voilà, bah, Corona, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas du tout. Hein. Voilà, franchement, je sais pas du tout. Un livre intéressant. 50 jeux, tout sauf ordinaire. 2 euros. Là, je crois que c'est. Ouais, le CD Corona c'était 1 euro. Ça, c'était 2 euros le CD là de Opéra. 2 euros le livre. Et là, 2 euros les deux jeux là. Parce que j'ai acheté deux jeux, 2 euros pièce, sous blister. Donc, nous avons le Call of Duty MW3. Bien entendu, je l'ai déjà joué. Je l'ai en édition collector, mais je voulais l'avoir sous blister dans ma collection. Du coup, 2 euros. Ça passe. Et donc, là. Un jeu Xbox 36, bon, c'est rare que j'en prends, je l'avais pas, du coup j'ai craqué. Fear, sous blister, 2 euros. Et voilà, 2 euros. On peut pas dire non pour un jeu de 2 euros. Hein. Et le meilleur truc que vous avez déjà vu, je crois. L'enceinte JBL Go, voilà. La JBL Go 1. Bon, il paraît qu'elle est extrêmement bien. Bon, ça, c'est le truc qui a coûté plus cher dans tout le lot, hein. 29 euros, ça c'est pas donné, mais c'est pas mal. Mon truc, c'est pas mal. Donc voilà, c'était la partie 2. Au départ, je devais faire une vidéo de sur la GoPro, comme j'avais dit, mais là en fait, je me suis levé trop tard et il fait pas jour. Du coup, je la ferai ouais, sûrement la semaine prochaine, sûrement même, absolument. Il faut que je fasse ça dans la journée, vous voyez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye, salut les amis.